Cette dernière session s'appelle comment déjà libérer la communication scientifique. Alors du coup, elle est un peu hétéroclite. On verra des belles histoires, on verra des questions politiques, on verra des projets, des tas de choses un petit peu différentes. Et on va commencer par le message politique majeur qui est, il y a en France une politique. Elle est incarnée aujourd'hui par Odile. Donc Odile a une vie professionnelle un peu compliquée puisqu'elle a commencé par être journaliste, ensuite elle a fait libraire, ensuite elle a rejoint le CNRS pour s'occuper des questions d'édition scientifique, pour être maintenant, commencer ses chefs du département des publications, on va dire. C'est que je n'ai plus le titre exact, mais tu vas le dire. À toi, Odile. Alors, je vais le dire du coup, parce que personne ne le retient, mais je vais le dire quand même. Je suis chef du département de diffusion des connaissances et de documentation. Donc, il n'y a pas que les publications, il y a l'édition, mais il y a aussi toutes les questions autour des bibliothèques universitaires, autour des services documentaires, etc. etc. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu générique autour de bibliodiversité et édition scientifique et de donner un cadre général et national en essayant de faire court pour laisser un peu de temps à tous les orateurs et aux questions. Donc rapidement, les plans nationaux sciences ouvertes, un petit point fonds national, même si vous connaissez, c'est intéressant de faire un petit bilan entre guillemets. Et puis des choses que vous connaissez moins sur la structuration et les actions au niveau national, au niveau de l'édition ouverte. Alors ça, c'est le commencement, rappelez-vous, juillet 2018. Voilà, vous connaissez le premier plan national sciences ouvertes avec le premier axe sur la généralisation de l'accès aux publications, de l'accès ouvert aux publications et un certain nombre de premières actions, dont la création du Fonds pour la science ouverte sur lequel nous reviendrons, qui est une chose tout à fait importante. Et puis tout de suite après, enfin tout de suite après, 3 ans après, le deuxième plan dans lequel nous sommes encore, lancé donc en juillet 2021, avec une généralisation de l'obligation de publication en accès ouvert, articles et livres. Il n'y avait pas livres dans le premier. On a ouvert un peu, on a élargi un peu plus. Avec un message très important autour de la bibliodiversité, autour de l'engagement des chercheurs dans le système de publication. Avec tous les exemples qu'on a eus aujourd'hui, on voit que voilà, c'était une bonne idée. Hein. Et avec des choses importantes sur les modèles économiques d'édition en accès ouvert, dans lequel nous sommes, ces expérimentations, autour notamment du Subscribe to Open, mais aussi autour de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les overlay journal et d'autres formes de diffusion. Et puis, quelque chose qu'on voit moins, mais qui est important, qu'on a vu un tout petit peu hier autour du multilinguisme, qui est aussi une question importante. Hein. Donc, du coup, voilà, il y a trois thèmes importants dans cette partie du plan national autour des publications en accès ouvert. Le Fonds national, donc juillet 2019, l'instrument de financement, l'instrument très important de financement d'expérimentation et de soutien à des expérimentations d'édition en accès ouvert, avec un financement... bien sûr, ministère, mais pas seulement, avec un financement aussi des établissements et toujours des financements ciblés possibles. Je lance des appels, on ne sait jamais, des fois que. Un bilan a été publié sur les années 2019-2021 que vous avez en ligne. Donc, il y a une transparence complète de la façon dont sont utilisés les fonds. Et donc, on a quand même 12,3 millions d'euros de 2019 à 2021, non négligeable hein, quand même hein, comme investissement. Avec du soutien aux infrastructures nationales et internationales de la science ouverte, avec HAL, bien sûr, avec RDA, Software Heritage, et puis des soutiens au projet SCOS, donc l'idée de tous ensemble, au niveau européen et international, soutenir des infrastructures qui aident à l'édition ouverte, hein, que ce soit le DOAB, Open Citation, Archive, et il y en aura d'autres cette année. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir... Un financement qui va dans le même sens au niveau européen et international. Avec 3 appels autour de l'édition scientifique ouverte, 2020, 2021, 2022, j'y reviendrai, avec l'idée de renforcer la capacité de publication scientifique en accès ouvert en France, avec des projets innovants et expérimentaux. On en voit aujourd'hui déjà un certain nombre de résultats.
Et avec des choses importantes aussi autour du financement du projet Recherche DataGouv, et puis des actions ciblées sur le prix de la donnée, sur notamment la traduction, etc. Les appels autour de l'édition scientifique ouverte, les appels du Fonds national, il y en a eu deux, le troisième vient de se terminer, vient d'être clos le 22 février, je crois, quelque chose comme ça. Ça permet la consolidation et la pérennisation des infrastructures. Et ça, c'est très important. Je vous ai mis un des exemples qui est une collaboration Open Edition METOP, un projet IFER hier qui était dans le premier appel à projet. Des plateformes de publication numérique, il y en a plusieurs. Là, je vous ai mis un exemple d'une plateforme à Bordeaux qui s'appelle Open U Journals, qui a été aussi financée et qui est en cours de constitution et qui est du coup entre Bordeaux, mais aussi avec une expérimentation avec la Lorraine. Donc c'est intéressant aussi parce que ce sont des plateformes de publication numérique qui se mutualisent, qui mutualisent les moyens, que ce soit au niveau des fonctions éditoriales, que ce soit au niveau d'un site, que ce soit au niveau d'une région ou d'une discipline. Et donc tous ces projets sont absolument structurants et importants. J'en ai mis d'autres. Donc Regozo, qui est une plateforme du Grand Ouest, autour de Rennes. D'autres projets importants ont été financés avec ces appels à projets, des projets de nouveaux modèles économiques de l'accès ouvert. Donc on verra tout à l'heure le passage des comptes rendus de l'Académie des sciences. Mais là, c'est celui des revues de la SMAIN, qui sont des revues de mathématiques, avec DP Sciences. Et donc, du coup, il y a eu un financement de base pour travailler à l'ouverture de ces revues avec un modèle de subscribe to open, de souscrire pour ouvrir. Les comptes rendus de l'Académie des sciences, vous verrez ça tout à l'heure. Des choses autour des ouvrages qui commencent. Et donc, l'ouverture des ouvrages qui commencent à se mettre en place avec un projet des presses universitaires de Rennes, par exemple. Et puis, toutes les nouvelles formes de diffusion et de processus éditoriaux innovants qu'on a vus. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai mis une pire community. On aurait pu en mettre des tas d'autres. Voilà. Et donc, ça, c'est l'ensemble des choses qui ont été faites sur les deux premiers appels. Pour vous donner une idée, donc 48 lauréats, 4,8 millions d'euros en 2 ans. Donc, c'est un rôle important d'expérimentation, de transformation du système. Et je vous ai mis des bilans, si ça vous intéresse. Tout est en ligne aujourd'hui. Vous pouvez regarder, c'est parfaitement transparent. L'ensemble des projets qui ont été financés. Donc, on est toujours autour de 2,6 millions, 2,2 millions, etc. Le troisième appel d'aujourd'hui, qui s'est terminé là, il y a 2,5 millions de budget. Le projet est clos. Il y a eu 44 projets. Donc, ça diminue un peu, mais bon, c'est normal, c'est le troisième. Et il y aura donc le comité d'évaluation au mois de juin-juillet et les résultats définitifs en septembre. Comme je suis sûre qu'il allait avoir une question là-dessus, j'en ai profité pour le donner. Des choses que peut-être à laquelle on pense moins, mais qui me paraissent absolument très très fondamentales, c'est vraiment les investissements autour des infrastructures de la science ouverte. On a vu Alplus et Episcience fait partie des plateformes Alplus, puisqu'il y a Al, Episcience et ScienceConf. Et la stratégie nationale des infrastructures de recherche, elle est très importante pour ça, pour valider ces infras auxquelles nous devons tous participer et qui sont la partie la plus importante, me semble-t-il, de ce que nous devons faire ensemble. Donc cette feuille de route, elle est sortie fin 2021. Et les trois plus importantes au niveau de l'édition scientifique, c'est donc HAL, METOP, Open Edition. Et puis Science donc étant une des plateformes, comme je le disais. Et c'est important ça, parce que c'est vraiment aussi la coordination entre les différentes stratégies nationales. Il y a le PNSO, mais c'est en coordination avec la stratégie nationale des infras. Et tout ça va dans le même sens dans le contexte de la science ouverte. Et puis d'autres petites choses que peut-être vous connaissez un petit peu moins, mais que je trouve intéressantes à mettre, c'est le travail qui est fait, notamment autour du Comité pour la science ouverte, pour réfléchir ensemble et avoir des connaissances communes, des concepts,
de l'évolution, de l'historique, de comment on pense l'édition scientifique aujourd'hui et comment on la met en œuvre. Et donc, je vous ai mis plusieurs exemples de ces études et ces réflexions qui sont absolument indispensables pour qu'on comprenne de quoi nous parlons, pour que nous ayons un langage commun. Ce n'est pas toujours évident, hein, on l'a vu. Et pour qu'on puisse aussi voilà, avancer ensemble. On a vu hier, aujourd'hui, sur des définitions. Voilà. Et c'est très important qu'on fasse ce travail-là. Donc, pour ça, le Collège Publication et le groupe édition Sciences Ouvertes du Comité pour la Science Ouverte sont importants pour travailler là-dessus. Et puis, pour mettre en œuvre donc, des guides, des études et de la connaissance autour de l'édition scientifique. Donc, je vous ai mis trois exemples. Le guide sur la stratégie de non-cession des droits, une étude qui a été très importante, qui a été financée par le Comité pour la Science Ouverte autour de l'évolution des coûts de frais de publication. Je vous conseille de la lire, elle est un peu... fait un peu peur, mais vous pouvez la lire quand même. Et puis, un rapport qui a été très important aussi, une préfiguration d'une structure collective des éditeurs scientifiques publics qui nous permet aujourd'hui d'avancer et d'essayer de réunir l'ensemble des éditeurs publics qui sont un peu disséminés. Il y a les presses universitaires, mais il y a des presses publiques un peu partout. Et c'est important aussi qu'on puisse être ensemble à ce niveau-là et avoir une voie commune. Donc voilà, ça, ce sont aussi des actions qui sont importantes pour nous. Et puis enfin, là, c'est en fait, une fois qu'on a fini de réfléchir, on met en œuvre. 5 minutes, je me dépêche. Et donc, c'est ce dont je vous parlais à l'Alliance des éditeurs. Il y a une instance qui est importante au niveau national qui s'appelle l'Observatoire de l'édition scientifique, qui est une instance où nous essayons de faire dialoguer les éditeurs publics et les éditeurs privés. Il n'y a pas que le mal dans les éditeurs, je tenais à le dire. Il y a des éditeurs vertueux, il y a des éditeurs qui font un travail très important. Et les faire travailler ensemble et faire que aussi le monde éditorial évolue fait partie d'une politique nationale. Voilà. Une action qui est aussi moins connue mais qui est intéressante, qui est le plan de soutien à l'édition scientifique. En fait, c'est trois accords pris avec Open Edition, avec Cairn et avec EDP Sciences, qui sont trois éditeurs agrégateurs très importants au niveau national, avec qui nous avons passé des accords d'abonnement avec Couperin, pour là aussi expérimenter, soutenir des modèles d'édition ouverte, dans le cas d'Open Edition avec le modèle freemium, dans le cas de Cairn avec une expérimentation autour du Subscribe to Open, avec plus d'une dizaine de revues qui sont aujourd'hui passées en accès ouvert sur Cairn, ce qui n'était quand même pas gagné au départ, et avec EDP Sciences, avec un modèle double autour de financement de frais de publication raisonnable, pour vous donner une idée, puisqu'il faut donner des chiffres autour de 800 euros, à peu près 800 à 1000 euros maximum, et parallèlement, chez EDP Sciences, la mise en place de Subscribe to Open avec certaines communautés, notamment la communauté de mathématiques. Donc c'est intéressant aussi d'embarquer les acteurs français dans ce travail-là, donc de maintenir quelque chose de solide pour les éditeurs avec des abonnements, mais des abonnements pour ouvrir ou pour faire autre chose. Et ça, c'est intéressant aussi de le faire. Voilà, je termine sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sur ce qu'on a vu hier, sur l'importance des acteurs nationaux, des sciences, le troisième appel, le travail sur les ouvrages, des choses qui sont en réflexion au niveau du Comité pour la Science Ouverte autour de nouveaux modèles de partenariat pour l'édition, un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec PLOS ? Qu'est-ce qu'on fait avec d'autres grands acteurs qui ne sont pas dans les accords d'abonnement, etc. Comment fait-on pour mettre en place un partenariat éditorial autour de la science ouverte qui soit viable ? On a un peu de travail, mais c'est intéressant. Et puis, pour faire le lien avec les collègues d'après aussi, l'importance de la coordination au niveau européen et international, avec le Subscribe to Open, avec le plan Diamant, et avec cette importance de se dire qu'on ne peut pas faire seul, il faut faire au niveau national, mais on ne peut pas faire qu'au niveau national, et qu'il faut absolument inscrire cela dans un modèle général qui soit européen et international. Voilà, j'ai à peu près tenu le temps. Merci beaucoup.
Merci Odile. Alors, je propose que cet exposé est particulier. Si on pose des questions maintenant, il y en a plein pour lesquelles on va avoir des réponses dans les sessions d'après. Donc c'est pas. Je suggère que nous passions immédiatement après une histoire effrayante qui est celle des APC à une histoire édifiante qu'on se racontera plus tard dans les Chaumières. Seulement c'est beau. Comment les comptes rendus de l'Académie des sciences sont-ils devenus ouverts et même en diamant alors qu'ils étaient chez Elsevier, figurez-vous. Donc un deuxième exemple. Donc avec Laurence Bénichou du Muséum, responsable des publications, pour faire simple, quelque chose comme ça. Et Célia Vauden, je ne me souviens plus, qu'est-ce que tu... Responsable opérationnel du Centre Mersenne. Ah voilà, au Centre Mersenne. Et alors, voilà, Justine Fabre, qui est maintenant à l'Académie des sciences, mais elle n'est pas académicienne. Non. Et qui s'occupe du patrimoine de l'Académie des sciences. Et ça inclut les bâtiments et ces choses-là ? Non, ça inclut les archives. Les archives et les archives. Publications. D'accord. Ce qui est déjà beau. Donc voilà, je vous passe la parole. Vous allez nous raconter cette histoire tout à fait remarquable. Et puis je vais enfin comprendre pourquoi il y en a une partie qui est à Mersenne et une autre partie au musée. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une histoire dont on reparlera dans les Chaumières, etc. Il n'y a pas non plus vraiment de grands loups-garous, ni de princesses, de crapauds et tout ça. Hein. Néanmoins, en effet, la situation de départ était effrayante. Alors, la vraie situation de complet départ, les comptes rendus de l'Académie des sciences sont nés au XIXe siècle comme une revue scientifique de l'époque sur souscription, même s'il y avait cette volonté en tant que société savante de surtout disséminer ses comptes rendus un peu partout. Donc en réalité, l'argent des souscriptions ne représentait pas grand-chose pour l'Académie qui envoyait beaucoup de volumes à droite à gauche pour les échanger avec ses académies consoeurs. Mais donc immédiatement, il a fallu faire appel à un publisher, puisque au sein de l'Académie, il n'y avait pas les moyens de fabriquer les objets revues scientifiques. Ces éditeurs imprimeurs libraires au départ étaient donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel pour cette préparation des preuves au format papier. Bon, je ne vais pas vous refaire un historique, mais donc, au fur et à mesure des collaborations de l'Académie avec ses partenaires, nous avons fini effectivement par la loi des marchés publics par nous retrouver à travailler avec Elsevier qui avait remporté les marchés. Donc vraiment, cette collaboration se passait très bien pour l'Académie, puisque évidemment, Elsevier avait tous les moyens à mettre là-dedans, que le résultat était très satisfaisant et qu'on avait cette grosse machine avec nous. En plus, ça rapportait de l'argent à l'Académie avec une redevance annuelle d'environ 300 000 euros, puisque nous avons fini par opter pour un modèle économique hybride avec des APC pour ouvrir les articles en Gold Open Access. À noter qu'en plus, c'était un hybride de l'hybride, puisque seuls les chercheurs rattachés à des labos étrangers se voyaient proposer cette offre d'APC, alors que les chercheurs des labos français pouvaient ouvrir gratuitement. Donc évidemment, la situation n'était pas idéale, vous rendrez assez vite compte de ça. À côté de ça, les académiciens eux-mêmes, en tant que membres de la communauté des sciences et techniques et médecine, fréquentaient des archives ouvertes comme Archive, les mathématiciens, les physiciens notamment. Évidemment, toute la communauté académique a commencé à s'intéresser à ces questions d'ouverture des publications, etc. L'idée a fait son chemin à l'Académie, qui a monté des groupes de travail sur cette question-là. Et a fini donc par émerger l'idée de se passer d'Elsevier et surtout de publier les comptes rendus en libre accès diamant, puisqu'il y avait cette notion d'être une sorte de tête de pont pour essayer de montrer l'exemple au sein de la communauté scientifique, même si là on est vraiment sur un retour d'expérience très personnel qui n'en est qu'un parmi d'autres, et ceux qu'on a eus auparavant ont tout autant valeur d'exemple que l'histoire des comptes rendus. Donc ce passage en libre accès diamant nous posait avant tout la question de l'argent, évidemment, puisque nous perdions cette redevance annuelle qui servait à financer nos services éditoriaux, et le libre accès diamant a un coût, j'annonce déjà la conclusion, mais vous l'aurez déjà deviné, comme on essaye de proposer des services, ce sont des services à valeur ajoutée et à valeur tout court, il faut voir comment les financer, et également, non seulement on passe d'un accès restreint à un accès diamant, mais on passe aussi d'une grosse boîte privée à un petit secteur public. Donc il y a aussi un changement d'échelle.
Donc nous avons collaboré avec le Centre Mersenne et le Muséum. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas au même endroit pour toutes ces séries? En fait, ça a été une histoire à rebondissement. Je pense que mes collègues en parleront peut-être un peu mieux que moi puisque je n'étais pas là. Mais au départ, on était censé collaborer avec le Centre Mersenne plutôt sur les mathématiques puisque c'est leur domaine de spécialité. C'est rajouté la mécanique et la physique qui avaient un peu des pratiques similaires, qui pratiquaient les formats LaTeX. Et puis finalement, on a rajouté dans la brouette la géosciences, la chimie et la biologie, parce que pourquoi pas, et que de toute façon, il n'y avait pas tellement d'équivalent du Centre Mersenne pour ces disciplines. Par contre, il y avait un équivalent encore plus ancien et encore mieux assis dans le paysage éditorial pour la paléontologie évolutive, et c'est pour ça qu'on a fait appel au service publication du Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc ce début de collaboration nous a posé des questions sur comment faire évoluer nos pratiques métiers. Au compte-rendu, au service publication de l'Académie, nous sommes 5 personnes et une seule est éditrice de métier, formée à ça avec des études dans le domaine. Nous sommes surtout chargés des relations qui précèdent l'acceptation des articles, les relations avec les auteurs, avec les rédacteurs en chef, avec les reviewers. Et à l'époque où l'Académie travaillait avec Elsevier, le reste était une sorte de boîte noire. Elsevier faisait un très bon travail à l'arrivée, mais ce qui se passait dans leurs tuyaux internes, c'était parfois un peu flou. Il a fallu se repencher sur la question, monter en compétence d'un point de vue éditorial, essayer de se réapproprier ces particularités du service que nous rendons aux chercheurs, et également monter en compétence sur la science ouverte, puisque l'équipe en place avec Elsevier n'avait pas eu l'occasion de s'intéresser à l'ouverture des métadonnées, aux données faires, ou à l'ouverture des données sous-jacentes, au référencement des revues dans les DOAJ, etc. etc. Et nous avons dû également nous interroger sur l'implication à donner aux chercheurs. On posait la question, enfin, Laurence disait, mais ces chercheurs, ils pensent travailler gratuitement pour les éditeurs. Effectivement, ils sont payés par de l'argent public, mais bon, forcément, à l'époque d'Elsevier, les chercheurs de l'Académie, les auteurs, les rédacteurs, s'étaient un peu désintéressés du sujet. Certains avaient vraiment une hostilité contre Elsevier. Il a fallu qu'on cherche à les réimpliquer dans le processus et à expliquer à ceux qui n'avaient pas d'avis spécialement sur Elsevier, si ce n'est qu'ils faisaient du bon travail, que là, en travaillant avec le Muséum et avec Mersenne, on était encore plus vertueux de leur expliquer pourquoi c'était mieux, de leur expliquer ce que c'était que d'être indexé dans le DOAJ, mais surtout d'avoir le sceau, le label qualité, le DOAJ-CIL. Même si effectivement ça reste un truc de spécialiste, ils y sont tout de même un peu sensibles. Et voilà, essayer de voir, le libre accès diamant a un coût, une partie du coût est en fait payée par les citoyens dans le salaire des chercheurs. Et c'est pour ça que finalement, ils sont un peu légitimes à nous aider sur le sujet, par exemple en nous donnant des avis sur des validations de certaines métadonnées quand on essaie de les traduire en collaboration avec les auteurs et qu'on a besoin d'un avis extérieur. Quand on leur demande de nous donner leur avis sur des projets pour améliorer le référencement de nos comptes rendus, on a besoin qu'ils nous aident, on ne peut pas prendre les décisions tout seul. Et voilà, d'essayer de leur expliquer ce qui se cache derrière cette transition vers le libre accès diamant, qui est parfois un petit peu obscur pour eux, et qu'ils réapprennent en travaillant au quotidien avec le Muséum et le Centre Mersenne. Donc, moi, je vais juste parler du Centre Mersenne et de nous, de notre expérience. Donc, nous, on est quand même, pour rappel, on est une infrastructure publique d'édition pour revues scientifiques en libre accès diamant et dans le domaine des sciences et techniques. On est développé par MADDOC, une unité d'appui de recherche avec pour tutelle le CNRS et l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, on développe des outils et des services pour les équipes éditoriales, pour les aider à gérer leurs revues. On n'est pas un éditeur, on est vraiment ce qu'on appelle un web publisher. Donc, c'est en tant que tel que l'Académie des sciences, et notamment Étienne Gis, est venue nous voir donc en 2019 pour intégrer d'abord, effectivement, les comptes rendus mathématiques. Donc nous, on était assez contents. Ça ressemblait à ce qu'on savait traiter. À l'époque, on était tout bébé. On avait un an. Et on avait une douzaine de revues, une équipe resserrée. On traitait surtout des mathématiques, même si on voulait s'ouvrir à d'autres disciplines. Et du coup, donc, ça nous convenait. Après, quand ils nous ont parlé mécanique et physique, ça nous allait aussi. On voulait s'ouvrir, donc ça allait bien. C'est des disciplines qui étaient assez proches des mathématiques. Alors, effectivement, chimie, biologie
Et Géosciences, ça nous a fait un petit choc. Et ce n'est pas qu'à nous, parce qu'à l'Académie aussi, ils étaient assez inquiets, notamment ces disciplines-là. Oui, ils arrivaient quand même d'un mastodonte, Elsevier, qui avait une force de frappe assez phénoménale et une légitimité scientifique. Et ils allaient chez une petite plateforme un peu obscure que personne ne connaissait bien. Ou alors, c'est quelques mathématiciens. Donc, ils étaient certainement inquiets, on comprend, notamment pour tout ce qui était suivi d'indexation et communication. Nous, on avait quand même une petite équipe. Et nous, on était inquiets parce qu'en fait, ils sont arrivés avec 5000 pages aussi de volume de publication, ce qui a doublé notre volume de publication, avec des demandes de services que nous ne proposait pas encore, comme du secrétariat de rédaction ou de l'impression, avec des nouvelles pratiques, des nouvelles disciplines. Il y a plein de choses qui diffèrent, en fait. En chimie-biologie, on a des délais de traitement qui sont beaucoup plus courts parce qu'il y a de la concurrence, il y a des résultats de recherche qui n'ont pas une durabilité à la même que, par exemple, en maths. Il y avait du matériel supplémentaire, il y avait des nouvelles bases d'indexation. Donc, nous, on a vraiment dû s'adapter en quelques mois, 6 mois même. Mais on s'est adapté. On a dû recruter. On a dû malheureusement externaliser pour certains services, notamment la mise aux normes, ce qu'on n'aurait pas aimé faire, mais on ne pouvait pas gérer en interne tous les comptes rendus. Et on a essayé de mettre en place des workflows. Comme disait Justine, donc nous, on gère la partie acceptation à publication, et c'était assez passionnant en fait quand les comptes rendus sont arrivés. Comme elle disait, ils se sont réappropriés un peu tous ce processus qu'ils connaissaient pas, donc on les a accompagnés, ils ont réinterrogé des pratiques éditoriales. On est passé ils sont passés d'une publication par numéro à une publication par article, à des online first et plein de nouvelles. On travaille sur beaucoup de projets, on est encore en train d'évoluer. On a des projets, des numéros virtuels, le projet traduction dont on a un peu évoqué hier, le projet de commentaires en ligne ou plein de projets pour essayer de faire évoluer justement ces pratiques éditoriales et ces modes de diffusion. Et je n'ai pas du tout fait avancer mon... Pardon. Donc ça, c'est les services qu'on propose à l'Académie des sciences. Je passe. Donc ça, c'est le processus éditorial. Bon, du coup, j'en ai déjà parlé, donc je suis désolée. Et juste, nous, au-delà du recrutement, etc., les comptes rendus sont arrivés, comme ils ont dit, ça a un coût, parce que nous, on a mis en place une tarification. C'est le CNRS qui nous a demandé de faire ça. D'une part, parce qu'ils avaient un peu la crainte que Elsevier nous accuse un peu de concurrence déloyale. Et d'autre part, parce que vous ne se voyez pas tout prendre en charge, ce qui est tout à fait normal, nous, jusqu'au compte rendu, on indiquait sur notre site internet service gratuit, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, bien sûr. Rien n'est gratuit. L'édition livre avec ça un coût. Et d'autre part, ce qui a un gros poids sur nous, c'est qu'on a dû lancer des appels d'offres, ce qui est normal dans le public, mais c'est vrai que sur tous nos services externalisés, dont des services qui... on estime n'avait pas lieu d'être, c'est-à-dire la détection de plagiat ou l'attribution de DOI. Donc, c'est pas vraiment... Mais du coup, ce qu'on veut dire par là, c'est que ça a eu... l'édition en libre accès a un coût. Et puis, c'est aussi des contraintes. Et il faut avoir les reins, quand même, pour prendre ça en charge. Donc, pour l'instant, on essaie. Des fois, l'Académie est un peu frustrée parce qu'on n'avance pas assez vite. Mais c'est vrai qu'on reste une petite équipe et que, voilà, on essaie de fonctionner ensemble encore pour longtemps. Bon, alors vous avez compris que le mot d'ordre, c'était que ça a un coût. Alors le troisième établissement qui travaille dans ce partenariat, c'est le muséum. Donc le muséum, il a une particularité, c'est qu'il est éditeur scientifique depuis 1802 et il est en diamant depuis 1802, même s'il n'est pas en numérique depuis ce moment-là, mais on a toujours été en diamant. On a aujourd'hui à notre charge 10 revues. Et en diamant, bien sûr, et on produit à peu près 400 articles pour 13 000 pages par an. On développe beaucoup le FAIR. Toutes nos revues ont un facteur d'impact, mais on est signataire de DORA, puisque ça nous importe. Et puis, on ouvre nos collections de monographies qui s'ouvrent peu à peu au freemium. Alors, avant de parler de qui fait quoi, vous avez bien compris qu'on avait un petit problème économique pour remettre les choses au clair sur le coût de l'édition scientifique. Donc ça, c'est un schéma sur lequel on est tous d'accord. Si on considère le coût de l'édition scientifique par 4 étapes, 3 d'entre elles ont des financements du public, dans tous les cas de figure.
La question, c'est de savoir, est-ce qu'on utilise dans le scénario A, qui est l'édition traditionnelle, le modèle lecteur-payeur, avec une souscription en ligne, ou le modèle B, qui est une ouverture. Et là, cette fois-ci, on ne donne pas de l'argent à la bibliothèque pour qu'elle rachète, mais on donne l'argent directement ou à l'éditeur en APC, ou à l'éditeur public en diamant, pour faire simple. La différence, la grosse différence pour moi entre le diamant et le gold, c'est que ce n'est pas une question économique, c'est une question d'appropriation. C'est une question d'expertise et d'appropriation en interne, dans nos établissements, de l'expertise de publication. Donc c'est la grosse différence, encore une fois, elle n'est pas économique, mais elle est vraiment en termes d'appropriation de notre expertise, encore une fois, pour pouvoir parler avec ces éditeurs commerciaux. Ce ne sont pas nos ennemis, des fois ils nous obligent à un peu plus d'innovation que ce qu'on est capable de faire, donc bon, bah, c'est bien, ça fait partie du jeu. Donc, le workflow du muséum, un petit peu compliqué, mais comme on aime bien les codes couleurs dans l'édition, je vais juste reprendre les codes couleurs pour vous dire que le rouge, bah, c'est tous les acteurs qui ont un background scientifique. Donc, vous voyez, typiquement, c'est l'auteur, le référé, le lecteur aussi, qui est un scientifique. Et puis, en vert, bah, c'est tous les personnels en interne au muséum qui s'occupent d'édition et tous les gestes qu'ils font. Donc, je vous laisserai la diapo pour pouvoir la lire calmement et pour qu'on sache exactement qui fait quoi dans nos établissements et quelle est l'offre proposée. Alors, l'important du diamant pour nous, c'était très important pour se réapproprier un peu l'expertise, mais soyons bien conscients que l'open access aujourd'hui est complètement dépassé. On ne parle plus d'open access, on parle de fair access. Et la grosse différence entre l'open access et le fair access, c'est tout ce qui se cache derrière le « i ». L'interopérabilité de nos données au sein de nos publications. Et c'est là qu'il y a un travail technique un peu compliqué et un peu important, et qu'il est important de l'internaliser pour bien le comprendre, et ce qui nous permet donc de dépasser... Alors, je suis désolée, ça fait mal aux yeux, hein, ça pique. Hein. Mais il ne s'agit pas de tout le lire, simplement c'est pour vous montrer que l'article n'est plus... il reste au centre quand même de la production, mais qu'on dépasse l'article aujourd'hui en essayant justement de faire en sorte que les données contenues à l'intérieur de l'article soient liées les unes aux autres, soient poussées vers les bases de données les plus pertinentes pour le domaine d'activité. Et c'est pour ça, je pense, que l'Académie des sciences a choisi le muséum, parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on sait faire dans notre discipline. Et je recommande toujours d'avoir une approche très disciplinaire de façon à pouvoir effectivement être sûr de ce qu'on fait en termes d'interopérabilité et donc de pouvoir... Deux minutes, mais j'ai fini. Donc je ne vais pas prendre les deux minutes, je vais juste en prendre une pour vous dire que la conclusion, c'est que l'inconvénient du modèle, on n'en a trouvé qu'un seul, l'inconvénient du modèle, c'est le coût. Encore une fois, oui, le diamant a un coût, mais il est quand même beaucoup plus beau que l'or. C'est pour ça qu'on l'appelle le diamant. Et l'avantage spécifique pour nous de l'internalisation du diamant, à toutes ces étapes, c'est vraiment un gage de professionnalisme. C'est aussi une réappropriation de l'expertise de nos métiers, de façon à pouvoir parler face à face avec ces gros éditeurs. C'est important d'avoir cette expertise pour pouvoir dire de quoi il s'agit et pour replacer aussi les publications scientifiques au sein du cycle de la recherche. Il est important aussi de souligner la stratégie concertée des établissements. Je pense que vraiment, dans la collaboration entre établissements, c'est important parce qu'on a des approches un peu différentes. Et encore une fois, on voudrait souligner l'importance d'une approche disciplinaire. C'est pour ça que cette revue spécifiquement est passée au muséum et que les autres sont restés chez Mersenne. Merci. Merci infiniment. Alors avant de donner la parole à la salle, je voudrais juste faire un lien entre les deux présentations qu'on vient d'écouter, qui est assez caché. Denis Jérôme, qui a été cité comme étant un des acteurs au sein de l'Académie, qui est un académicien, a été un des acteurs au sein du Collège Publication du COSO. Donc les choses se rejoignent. Et en passant au sujet de ce Collège Publication, il s'est réuni hier après-midi, sachant qu'il y a un tiers du Collège qui est présent dans cette salle. Donc c'était une séance un peu bizarre. Et vous faisiez aussi hommage, vous rendiez hommage à Jean-Pierre Demailly, qui a été pendant longtemps rédacteur en chef des comptes rendus mathématiques, comme quoi tout le monde est partout. Voilà. Des questions ? Présentez-vous rapidement, d'autant que les gens qui nous regardent sur le ne vous voient pas. Donc même si vous êtes déjà présenté, il n'est pas sûr que... Eh
Bien, bonjour, je suis Philippe Ponouch, je suis référent sciences ouvertes à l'Université Jean Monnet. J'ai travaillé avec le Centre Mersenne pendant un moment en revue. Donc, j'avais une question pour en particulier l'Académie des sciences, pour savoir comment s'était passée la transition de Elsevier. J'imagine que vous êtes le propriétaire des titres, donc officiellement vous avez le droit à faire ce que vous vouliez. Néanmoins, je pense qu'ils n'étaient pas contents. Alors ça s'est très bien passé, il faut quand même le reconnaître. Elsevier a été parfaitement courtois, ils se sont donné beaucoup de mal pour nous fournir des fichiers dans le bon format, pour nous faire des exports de bases de données, etc. etc. Et donc vraiment, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et là, nous sommes actuellement en train de rapatrier également sur notre site les archives, enfin les anciens numéros publiés avec Elsevier, donc pendant la période 2002-2019. Ils nous les ont remis très gentiment. Alors après, ça suppose quand même encore beaucoup de travail du côté du Centre Mersenne pour changer les formats des métadonnées, etc., pour pouvoir les intégrer, et aussi de la part du muséum d'ailleurs. Mais ça s'est vraiment très bien passé, et nous envisageons, une fois qu'on aura terminé le chargement de ces anciens numéros sur nos sites, de voir avec eux aussi comment récupérer la partie 97-2001, qui est vraiment le tout début de notre collaboration. À cette époque-là, les comptes rendus étaient seulement disponibles au format papier. Et Elsevier a fait la démarche de numériser ces anciens numéros, et on voudrait essayer de les récupérer aussi. Mais voilà, vraiment, ça s'est très bien passé. Il faut reconnaître ça de la part d'Elsevier, qui a été parfait. Merci. Maureen Montagna, JTCAM, toujours. Je voulais dire... j'avais plutôt une question pour Odile Conta. Je voulais savoir comment est-ce que vous envisagez d'assurer la pérennisation et l'augmentation en charge de ces nouvelles structures qui permettent le si formidable nouveau modèle. Et est-ce que vous envisagez de sortir de simplement le fonctionnement des appels à projets qui oblige quand même à... Enfin, c'est bien pour faire des proof of concept, mais au bout d'un moment, c'est épuisant, quoi, franchement. Merci. On est bien d'accord. Il n'y aura pas un modèle, il y en aura plusieurs. Hein. J'ai mis bibliodiversité dans mon titre parce que je pense qu'il n'y a pas un modèle qui dominera et qu'il faut en inventer plusieurs. Et que dans ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle d'Amiens, il y a plusieurs modalités de financement. Pas forcément qui peuvent être concomitantes. Il y a l'importance des personnels dans les établissements publics. Je pense que ça, c'est quand même une des choses absolument fondamentales. Moi, je crois beaucoup aux transformations de ce qui est aujourd'hui un abonnement classique avec une bibliothèque ou avec plusieurs bibliothèques, en faisant un partenariat qui soit différent, parce qu'il faut une pérennité, en effet. Et on va réfléchir peu à peu, notamment au sein du Comité pour la science ouverte et du Fonds national science ouverte, sur l'évolution entre appel à projet pour sortir, pas complètement, mais en tout cas pour aller voir comment on peut envisager des modalités de financement plus pérennes, parce que c'est évidemment la prochaine étape. Mais quand je vous disais qu'il fallait réfléchir ensemble, je pense vraiment qu'il faut le réfléchir ensemble Il y a plusieurs pistes. Il y a la piste avec l'ANR, il y a la piste avec l'Europe. Il va falloir vraiment faire tout cela en coordination, et c'est encore ce qui est devant nous, je dirais. Et pour compléter un peu, les FNSO, on en a bénéficié tous. Hein. Nous, on a bénéficié de deux FNSO qui nous ont permis de mettre en place d'adapter la chaîne METOP à la taxonomie, ce qui n'était pas simple. Et c'est hyper important parce que ça permet quand même de rattraper le gap que toutes nos revues peuvent avoir face à ces éditeurs commerciaux pour pouvoir rentrer dans le jeu aujourd'hui. Donc il y a quand même un gap d'expertise. On s'est quand même tous pris une révolution technologique en pleine face, et c'est un peu plus compliqué que pour d'autres métiers de faire face à cette espèce de pléthore de nouvelles technologies. Donc il a fallu quand même trouver des solutions, et l'appel à projet, pour ça, il était quand même assez bien parce que ça nous permettait de faire des transitions et de remonter un peu le gap de certaines revues qui étaient quand même loin derrière. Il y en a encore beaucoup. Hein. Toutes les revues des sociétés savantes, ça va être un peu compliqué, mais il va falloir les aider aussi. Hein. Je ne vois plus de questions. Si.
Merci, Vincent Carry, JTCAM encore. Moi, j'ai une petite question. La diversité, ça me semble quelque chose de super important. Je vois plein de projets, hein, je vois plein aussi de structures, hein, Episcience, PCI, le Centre Mersenne. Et la question que je me pose, c'est on est dans un mode de compétition, d'émulation, d'échange. Comment on fait au niveau du ministère, par exemple, pour tisser des liens entre eux, pour ne pas faire les projets forcément en doublon, même si parfois en doublon, c'est bien. Voilà, c'est une question que je me pose vu de l'extérieur. Si j'avais aujourd'hui à démarrer quelque chose, comment je fais? Moi, j'aimerais bien mettre tout le monde autour de la table et dire, vous ne voulez pas tous travailler ensemble pour m'aider à faire quelque chose? Voilà, je sais pas, voilà, c'est ouvert. Il y a un gros travail de coordination, que ce soit entre les infrastructures, que ce soit entre les projets, et je pense que ça se fait vraiment. Mais c'est les différentes plateformes, par exemple, qui ont émergé dans un certain nombre de sites et d'universités, eh bien, le réseau Repère essaye de les coordonner et de les faire travailler ensemble. Et le réseau Repère, ça a été un des financements du FNSO. Et je pense que dans les interventions d'après, on va aussi parler de ça, de comment on coordonne, comment on fait des centres de mutualisation, de travail commun, etc. C'est tout à fait important. Et puis les réunions comme aujourd'hui, ça sert à ça, hein, surtout en présentiel. C'est du réseau, hein, avant tout. Donc c'est une occasion de se retrouver tous ensemble, de partager et puis de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et donc c'est plus de l'émulation que de la compétition pour le coup. Sur mon marché, je parle du marché où on fait les courses, il y a 3 fromagers. Et ils survivent très très bien. Ils sont en concurrence, mais ils n'offrent pas tout à fait la même chose. Et je fréquente les 3.